Mesdames et messieurs, est-ce que nous au courant que gouvernement Ariel Henry a pas contre rien de sanctions États-Unis à Canada a pris compte des personnalités haïtiennes? Est-ce que nous connaissons pas des pièces dossiers qui arrivent dans le gouvernement haïtien? D'après cette question, comment fait pouvoir judiciaire dans le pays d'Haïti pour qu'on prenne pièce mesure par rapport ensemble avec toute sanction sa yo, Canada avec États-Unis à Bala? Eh bien, PM Ariel Henry, après réunion des chefs de gouvernement qui fait de date 15 à 16 février qui sont passés à la Nassau Bahamas, déclaré que li koto sanction sa yo, Canada avec États-Unis à prendre mes dossiers yo pour qu'on jamais rive joindre gouvernement haïtien. Nous prenons saisir des déclarations PM Ariel Henry. Est-ce que nous en courant que à travers section Canada et États-Unis prend compte Joseph Michel Martelly avec Jocelyne Privert, Ariel Henry a une chance pour le couper fâché ensemble avec deux petits messieurs ça yo. Nous prenons qui rapport Ariel gay avec deux petits messieurs ça yo. Mais nous sommes déclaration que Joseph t'a fait dans Scoop FM, quand elle te déclaré, Jocelyne Privert et Martelly, c'est eux même qui kebe Ariel Henry là. Et d'après rappeler nous, déclaration, Claude Joseph Libébi te fait, après assassinat président Jovenel Moïse, dans Gazette Haïti, sous PM Ariel Henry. Nous prenons pour te déclaration ça pour vous, t'as l'air comme ça. Puis devant, mesdames et messieurs, gagné médecin résident l'hôpital général qui continue à faire grève malgré diverses rencontres, eh bien, pour que j'aime gagner un résultat qui sortit. Ensemble avec moi, nous prenons le temps des déclarations, je la donne. Yo. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5, chaîne Information avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille ou accroubique information ça. Mais avant de aller plus loin après temps pour nous dire merci, ensemble avec vous qui like, qui commentez, qui partagez, merci ensemble avec vous-même qui toujours invitez vos familles ou vos amis abonnez à Info 5 pour être capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi à c'est lundi 20 février 2023, ça qui veut dire jeudi à c'est lundi gras, mesdames et messieurs. Je s'attends à prévoir fête là, hier dimanche 19 février. 2023, Canavala organisé sous Chant Mars, sorti 10h de matin pour arriver 6h de après-midi. Côté, Gé Isolant qui était là, Gé Tony Bix qui était là, Gé Ben Costa qui était là, ambiance était au top, mais bien malheureusement, Canavala soleil chaud, et bien tout le monde qui est capable d'arriver danser ça. Gé au baquet monde qui tirait pied, qui fâché, qui boudé, qui estomaqué comme quoi, pep sa dit en insécurité, pep sa dit pas qu'à manger, pep la dit pas qu'à dormir, mais y a dans ce carnaval. Qui l'autre loisit exactement, nous ouais que gouvernement haïtien, offre ti pep là. Donc ça, on va au gratis là, qui pas même gratis parce que, go quantité l'argent qui sorti dans caisse d'état pour lui, eh ben, quitte boudio, enjoy li, mes amis. Quitte boudio, enjoy li. Nous ne pouvons pas pour nous dire. Si nous ne pouvons pas aller, parler, mais pas critiquer l'autre qui a essayé de défouler, pas critiquer l'autre qui a gagné 2-3 types pour jouer la vente, c'est là qu'il est capable de rentrer comme là. Pas critiquer au monde qui fait ça parce que le pays d'Haïti est terrible et difficile en pile d'un moment de parler à là. Est-ce que nous te connaissons? Gouvernement Ariel Henry. Parce que faut me reposer nos questions encore. Gouvernement Ariel Henry n'a pas au courant de dossier sanction Canada et États-Unis. Même gens journalistes ouais sur réseaux sociaux, même gens l'autre pour ouais sur réseaux sociaux, déclaration ministre affaires étrangères Canada, déclaration ministre affaires étrangères la France, États-Unis entre autres. Eh bien c'est quoi ça gouvernement Ariel Henry ouais? Yo liste a sorti, yo sanctionné 10, yo sanctionné date, bagala compliqué mesdames et messieurs. C'est ça que fait gouvernement Ariel Henry à travers pouvoir judiciaire là parce que nous connaît tout pouvoir concentré dans au seul bout de moment d'appel. Et là, eh bien, yo poko capable de faire un à travers section Canada avec États-Unis après contre yo paquet personnalité haïtienne. Ariel Henry te promet pour te faire une déclaration, mesdames et messieurs, après l'été fin sorti de réunion des chefs de gouvernement de CARICOM, spécifiquement à l'essalte fête d'Assau Bahamas. Ensemble avec moi, entendez déclaration PM Ariel Henry. La Voix d'Amérique, VOA Creole vous dit merci de lui accorder quelques minutes de votre précieux temps. Eh ben, Haïti, dans CARICOM, 44e sommet, et qui soit qu'a dit nous, qui soit qu'a dit peuple haïtien. Bonjour. Nous venons dans CARICOM, parce que nous sommes membres CARICOM.
nous venons régler les problèmes qui lient à tout État qui est dans le CARICOM. Nous sommes venus tout pour nous parler de Haïti, de crise politique liguéen, de problèmes sécuritaires que nous avons, et nous avons parlé de tout cela, tout avec le Premier ministre canadien qui a fait déplacement. Nous avons un long échange, nous disons après le travail pour améliorer l'implémentation accord là, que nous avons, pour nous mettre plus de monde dans le consensus que nous avons. Et puis nous allons travailler ensemble pour que nous bâillons les peuples haïtiens en meilleure sécurité. D'accord. Question sécurité justement, est-ce que CARICOM décide, sans demander par exemple aux Nations Unies, ou demander au EAL, est-ce que demander devant CARICOM, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une force en Haïti? Non, depuis longtemps, on a parlé avec tous les leaders CARICOM. D'ailleurs, en mois d'octobre, nous avons en réunion entre tous les chefs d'État et chefs de gouvernement de CARICOM avec M. Trudeau pour nous envisager alternative que nous gagnons pour nous réguler les problèmes sécuritaires. Nous continuons à parler avec les Canadiens, nous continuons à parler avec CARICOM, et puis nous avons essayé de voir qui a sorti de concret qui a aidé vraiment le peuple haïtien. D'accord. Monsieur Trudeau, il semble, et du moins ce Canada, il semble t'avler que nous fassions élection. Élection pour bientôt en Haïti? Ah, ce n'est pas uniquement Monsieur Trudeau. Nous tous, nous voulons faire élection. En particulier, le gouvernement, ça objectif, c'est pour faire élection. C'est pour ça là. Et faut, mais pour nous faire élection, il faut nous avoir un climat de sécurité. D'accord, sécurité d'abord. Et pour la dernière question, les sanctions, yo. Niveau sanctions, dernière sanction qui sortit, là, qui réaction? Sanctions, aidez-nous. Sanctions, clairement, fait que la situation a un petit peu changé sur le terrain. Nous n'avons pas rien à revoir à sanctions, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui baillons, non. Du tout, ces sanctions que vous prenez, et nous pas, vous pas communiquer nous tout dossier, mon yo. Donc, nous pas gagner opinion spécifique sur sanctions, mais globalement, on sanctions qui ca permettre que nous avons une meilleure atmosphère au point de vue sécurité, au point de vue dialogue entre nous, c'est un bon bagage. D'accord. Et au sorti le 44e sommet, ça, ou satisfait, qui ça a été joint en plus? Non, c'est bon, bah, nous, à le chercher. Bon, c'est on vit commune. C'est une réunion de statutaire, c'est-à-dire que nous faisons partie de CARICOM, nous venons, nous discutons et nous essayons de régler un certain nombre de problèmes nous avons en commun. D'accord. Message au peuple haïtien qui a gardé Kounia là, pour terminer. Mais il faut rester ferme, il faut nous goûter pour que nous puissions retrouver la paix, la sécurité dans le pays, hein, et puis pour nous aller dans l'élection pour nous avoir un pays plus stable et qui puisse aller vers le développement. Mes amis, Figi PM n'a écrit pas de espoir, pas de vie. Malgré tout le monde demandé, malgré tout crier, mais pas de espoir, non? La Grenade tout profiter annoncé que yo pas voyé force internationale en dans pays d'Haïti, mesdames et messieurs, alors que Jamaïque, Canada avec États-Unis continuent sous même lancée pour rejoindre yo pays qui capable permettre gagner yo intervention militaire en dans pays d'Haïti. D'ailleurs, le gouvernement d'Ariel Henry nous connaît que la vive seulement à travers yo intervention militaire puisque selon eux-mêmes, la police nationale d'Haïti pas gagné capacité pour yo capable goûter ensemble avec situation ça pas qu'il y a assez de matériel. Nous imaginons nous yon pays policier qui te pays a sous programme humanitaire pas oléa magistrat qui te pays a yon bonjour pas étonné si vous tenez Ariel Henry parti dans programme humanitaire pas oléa la kaye Joe Biden li qui te pays a des bras plein Dieu pas étonné nous pour tenez André Michel allé Dedel Kassi allé pas jamais étonné de bagay comme ça parce que pour ça qui a passé dans le pays d'Haïti là pas de rien qui capable faire nous saisir encore. Est-ce que nous t'en débrouillez? Pas de rien qui est capable de faire nous saisir encore dans tout ça qui a passé actuellement là dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, situation compliquée. J'aime de dire, est-ce que nous connaissons que sanction Canada avec États-Unis prend contre Martelly avec Joseph Privert capable de stopper relation qui gagne entre Ariel Henry ensemble avec deux petits messieurs Sayou? D'après rappelez-nous, Claude Joseph t'a déclaré que c'est Joseph Michel Martelly qui t'a imposé Jovenel Moïse pour être capable de choisir Ariel Henry et Nobel comme premier ministre pays d'Haïti. Et Joseph Privert t'a fait partie de Mounsao tout qui t'a choisi Ariel Henry. Et Mounsao, il a dirigé à travers Ariel. À noter que,
Canada a annoncé que Jocelyne Privert, même genre ensemble avec Romel Bell, même genre avec Berto Dansé, Liz Kittel, Salim Soukar, ensemble avec Rémi. Normal, mesdames et messieurs, Bounzao sous même liste parce que yo c'est des trafiquants de drogue, yo c'est des trafiquants d'hommes, y a financé groupe armé, y a la corruption avec violence en dans pays d'Haïti. Donc ça veut dire catégorie de sanctions, li séparé en deux. Youn qui capable alléger et l'autre là qui gagne toute gros peine ak chayo sous doyo. Mais mesdames et messieurs, le gardé Martelly avec Privé qui a dirigé à travers Ariel Henry n'a posé cette question, est-ce que deux anciens présidents sa yo te gagné yo vraie intention pour pays d'Haïti. Ensemble avec moi, c'est ça que fait jeudi à la nous porter déclaration Claude Joseph pour vous, mesdames et messieurs, yo déclaration que te fait dans Gazette Haïti ensemble avec Assad Volsi. D'abord rappeler nous qui Jean Claude Joseph lui-même il t'ai parlé de PM Ariel Henry. Qui Jean Ariel Henry t'ai participé dans assassinat président Jovenel Moïse et Claude Joseph t'ai même parlé tout sous dossier Jocelyne Privert avec Martelly. D'ailleurs, il était là dans la salle de réunion. Il était là. Nous va attendre des déclarations Claude Joseph. Ni moi pas rien pour me commenter ça. Et effectivement, Jovenel Moïse a choisi Ariel en imposition. Mais je trouvais Ariel très sympa, franchement. Hein. Première fois de rencontrer. Première fois de rencontrer Ariel, nous avons un son monde que nous parlons travail, parce que c'est avec Jovenel, bien sûr. Mm-hmm. Ariel était sympa. L'après l'MPM, je dis pas l'MPM, moi l'MPM, je dis pas l'MPM. Moi le docteur, je dis pas le docteur. Qui a voulu l'Ariel? Donc. Et si, et ouais, et si, belle qui t'a fait, vous comprenez? Ah, mon cher, parlez l'MPM, et ou PM, non? Ah, mon cher, ah, parlez docteur, et ou docteur, ah, ti baye jouette qui t'a fait, ti baye blague qui t'a fait, anti monsieur, yo. Et gros cause, papa. Et Ariel a cette capacité, hein, et faut qu'on reconnaisse ça. Mm-hmm. Monsieur, c'est au monde, tout le monde, il n'est pas complexé. Le premier ministre n'est pas complexé, et c'est un avantage. Et peut-être c'est école côté de social avec Prival, etc. Donc mm-hmm. reconnaître ça, il n'est pas en complexé. Il est un homme, mm-hmm. il a pas très bien. Là, non, on va parler de le 5, là, c'est ça? Là, moi, dans le 3. Le 3. Moi, dans le 3. Mm-hmm. Et puis, en sortant de la maison du président, je passe dans la voiture, je prends mes effets. Et arrêté à pourquoi même sorti. Mm-hmm. Moi, je vois une flotte machine pour Ariel. Mm-hmm. Ouais. Arrêté à pourquoi même sorti. Je vois toute flotte machine pour monsieur. Et parce que je pensais, et puis. C'est moi qui vais faire des marches pendant le premier ministre pour M. K. A. même pour faire des réunions mm-hmm. avec des membres de l'opposition qui parlent de l'île d'ailleurs, mm-hmm. qui étaient rejetés, qui étaient dit que M. va reconnaître lui. Nous entendez? Les membres de l'opposition ont rejeté Ariel Henry. Là, nous dans le mois de mai 2022, mesdames et messieurs, déclaration ça. 22 mai 2022. Déclaration Claude Joseph a fait à la. Ha! Pendant ce temps que, même Mounsa qui t'a projeté Ariel Henry avec tout Jovenel Moïse, qui est-ce qui chita calcié à quoi au septembre, qui est-ce qui chita qui a assié consensus, c'est même Mounsa yo? Ha! A fait-il l'homme, c'est mystère? C'est peuple là qui était toujours à Kaba, mais nous pas jamais au courant de ça. Donc voilà l'histoire. Et ça c'est l'avant-dernière conversation et la dernière conversation. Non, ça c'est la dernière conversation. Ah, vous donnez faux par la présidence, c'est le 3. Oui, c'est l'avant-dernière conversation. Alors, là, vous faites 3, 4, non, 5, 6, non, 7. Alors, on parle pas là, monsieur. On parle pas là, monsieur. On parle pas là, monsieur. Après arrêter à faire une sortie, mm-hmm. je finirai les Ariel pour me féliciter. Mm-hmm. Et puis, moi, les monsieur, vous me dites, monsieur, mais vous faites que les Ariel là, moi, féliciter. Monsieur dit très bien, mon cher, où sont-ils qui élégants, mm-hmm. etc. Au point que monsieur va le relier de l'autre ami en commun avec pour dire mais ce Claude là il est un type extrêmement élégant. D'ailleurs c'est la première fois Jovenel Moïse a pas fait passation de un premier ministre en l'autre il mettait tous les déchets la première fois. Mm-hmm. Ouais, sans tension, sans aucune tension entre les premiers ministres, deux entre moi-même que monsieur Konem était toujours dit
que me son premier ministre un petit bout de temps monsieur connaît que moi quoi faut qu'on parce que moi-même j'étais pas l'homme idéal et faut me reconnaître ça moi t'es trop et non une loyauté à président Jovenel Moïse la défense moi pensais que moi t'ai manqué et quand dit américain reach out et pour opposition me demander qui contacter eux me demander à l'aise avec eux donc j'étais pas la personne idéale pour être attendez il n'était pas la personne idéale Claude Joseph déclarait que le pat moun qui était capable de gérer tension situation mais me rappelle c'est pas même modèle déclaration ça que Claude Joseph fait dernièrement dans micro Gary Henry. Ha! En tout cas, et par là, nous devinons, n'a parlé de Ariel Henry. Ministre, dans le moment que Jovenel Moïse a besoin d'un premier ministre. Moi, j'ai un premier ministre qui, c'est un premier ministre qui, d'abord, dit qu'il a fait élection, et fait élection côté monde qui gagne, c'est le gain. Je ne vais pas faire élection de partisans. C'est ça que fait un groupe qui dit que va pas l'élection à Claude Joseph. Parce que j'ai pas de jambes de au monde que. PHTK en particulier. Naturellement, on connaît Nivelle Tazar. M. Nivelle, il dit qu'il y a une raison. Parce que je me posais la question sur ça. M. dit très clairement que c'est parce que il y a le jour matin, et puis il y a sur Wikipédia comme président intérimaire. C'est une vaste blague. Non, non. C'est pas vrai. C'est une vaste blague. Et. L'avant-dernière conversation que j'ai eue avec le président Jovenel Moïse, c'est pour te dire que Claude, mais qui est-ce qu'on choisit? Et M. dit n'est-ce qu'il y a pas de problème? M. dit qui n'est-ce qu'il y a pas de problème? M. dit n'est-ce qu'il y a PHTK? Il n'y a pas de problème. Et donc, moi, connais, c'est essentiellement PHTK qui n'est pas de problème comme ministre. Là, je dis PHTK, les dirigeants de PHTK, parce que moi-même, j'ai rencontré membres PHTK dans tout le pays. Là, c'est des membres qui sont frustrés par rapport aux agissements de PHTK, mais particulièrement par rapport aux agissements des dirigeants de PHTK non, après la mort de Jovenel Moïse. Et moi, je dis, monsieur, comme ça que. Moi, je l'ai lu. Moi, il est sur téléphone normal. Moi, je dis, Premier ministre, comment est enfin, moi, je dis que, autant de ça m'attendait à, il dit, oui, il tendait. Et puis, il me dit, eh, mais, d'accord. Et puis, moi-même, je connais, il faut me prendre des dispositions, peut-être pas. Parce que, je m'apprends tout. Mais, par exemple, on dit que le pouvoir, il est comme Premier ministre désigné, ou même si Premier ministre désigné. Premier ministre désigné. Il est attaqué en fonction. Non, moi, il est comme Premier ministre désigné, mais qui éventuellement, S'il a la capacité, même capacité à même, je sois, et s'il n'est pas impliqué, monsieur t'a pris pouvoir, il t'a pris disposition. Moi, c'est ça? Oui, non, c'est moi. Écoutez, la question, c'est moi. C'est à la dernière minute, à 6h du matin, 5h-6h du matin, que on prend commande. Un, tout véhicule, flotte véhicule, le dénommé Ariel. Mais Ariel t'a couru. Ok, Claude Joseph, ok. Politicien pas qu'à marcher. Ouai, maman, y'a qui te volé, ouai. Moun salio, machin pays, yo. Lele, ouai, maman, y'a qui te mafia, ouai. Yes, moun salio, blofe, yo. Danou, so, 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 colé, nan gancho, oh, oh.
normalement ça Claude Joseph avait essayé montrer implication Ariel Henry dans dossier assassinat président Jovenel Moïse et Claude Joseph parlait de choix Joseph Michel Martelly t'a fait sous Ariel Henry comme quoi c'est lui-même qui a imposé Jovenel Moïse. M'a rappelé nous Jovenel Moïse pas de l'autre choix et Joseph Jovenel Moïse pardon, t'a pas joué un double jeu ensemble avec Ariel Henry puisque li pas décidé fin mettre à doti monsieur PHTK. D'ailleurs nous t'ai déclaration Claude Joseph, si monsieur PHTK pas de comme premier ministre, yo pas d'accord parce que il était loyal ensemble avec président Jovenel Moïse. Yo n'a qui était trop loyal avec Jovenel Moïse, gine série bagaille, il pas t'a permettre qui t'est passé parce que Jovenel lui-même n'a pas décidé de soutenir pièce membre PHTK, que ce soit Altea, Martelly ou autre, dans l'élection qui t'a pris fait. Donc Jovenel Moïse lui-même, il t'a mis PHTK à dos. Mesdames et messieurs, donc Ariel Henry à travers section ça yo capable prendre prétexte pour dire comme ça que li pas capable quitter Martelly continuer à diriger, li pas capable quitter privé continuer à diriger parce que lui-même faut qu'il prenne liberté. Et dans en vie pour liberté ça tout Ariel Henry lui-même capable tout perdre pouvoir parce que gen un ensemble de sanctions qui a sorti yo bonjour capable tendre yo sanctionner Ariel Henry. Yo bonjour ou capable tendre yo sanctionner Ariel Henry. Bagay yo pas facile mesdames et messieurs. Puis devant nous gagné un médecin résident l'hôpital général yo qui continue ensemble avec grève là parce que yo pas bay au combattant, yo pas gen matériel, pas gen quoi que ce soit yo capable faire ensemble avec moi entendre déclaration yo. On est en grève depuis 22 décembre et tout le monde connaît raison yo. À titre de rappel, nous t'es en grève parce que nous t'es fait face à la réalité qui imposait nous rentrer en grève, qui c'est en réalité côté nous totalement dysfonctionnel. Côté de compensation que nous faisons, les tel monde va venir pour nettoyer, nous nettoyer. Les gens qui ne veulent pas qu'ils ne viennent, nous faisons. Pas de recours en 24 sur 24 que le temps d'ouïr dans l'hôpital, nous accommoder. Jusqu'à ce que la situation vienne tellement dégradée, nous venons obligés de camper. Et revendication, c'est qui ça, c'est les meilleures conditions de travail. Ces conditions de vie dans résidence là et puis allocation yaba là qui c'est une allocation qui vraiment sont irrespect, ce qui sont forme de découragement que tout le monde t'a qu'à gagner à continuer à avancer. Parce que l'autre dit un monde qui vient faire médecine qui vient dans spécialité pendant yaba bluff dit son allocation lié son frais c'est pour un salaire pour bail 11 250 gourdes par mois à un monde qui fin fait 7 ans plus au moins 1 an de spécialisation. Donc ça li tout bonnement pas même ka répondre à cop transport au monde même pendant une semaine. Et c'est peut-être ça, nous t'est obligé depuis le 22 décembre faire chaque dirigeant une lettre qui expliquer situation que yo t'ai doué qu'on est depuis à l'avance. Pour préciser, c'est pas même t'ai doué qu'on est, yo connaît li parce que ça a gagné peut-être 3 mois avant de rentrer en grève, 3-4 mois. Quand on a chité avec la directrice, l'administrateur, a exposé de ces deux faits que vous connaissez. Jusqu'à ce que nous t'ayons même invité à venir dans une petite visite des lieux sous espace que vous êtes responsable. Et ADM a été saisi, ouais, tout dysfonctionnement que vous avez dans le bloc, état de douche, vous avez. Bon, promesse de fait, qui n'est pas de jambe. Jusqu'à ce que nous t'ayons dans la situation, nous t'ayons obligé. Accepter réalité grève là qui fait paraître lui même nous t'es obligé formaliser revendication nous pour ne pas rentrer dans un blocage stérile. Et c'est peut-être ça 22 décembre nous t'es en réunion avec administrateur et puis directrice ça 29 décembre discussion très semblable avec discussion que nous avons récemment avec directeur général MSPPA qui était faite 14 février. Bon, elle me dit 14 février, c'est pas très, une discussion là monde fait, mais c'était une discussion de préférence sous un problème qui critique et triste. Qui avance et qui gagne, moi-même personnellement, je suis toujours sceptique par rapport à la réunion. Je ne vais pas dire que la réunion était complètement stérile, oui, on a discuté. À la vérité, il y a un paquet de faits nous exposé devant le directeur général MSPPA qui n'est pas relevé au premier degré de responsabilité. Mais lorsque le directeur général MSVP, il a gagné tout l'hôpital public qui est en faillite, voulez ou pas, ou responsabilité à tout. Et voilà, nous sortons des déclarations médecin résident l'hôpital général. Mesdames et messieurs, bagay yo pas facile du tout en Haïti dans le moment n'a parlé là. Tout le monde a essayé fonjan pour quitter pays sous programme humanitaire parolé.
administration Biden Harris la li même y a fait nan moment n'a parlé là un programme qui gagne possibilité pour prendre gros coup devant mais en attendant la programme dans li même li a continué avancer donc dossier en pile nous bon rendez-vous pour prochaine sortie rubrique ça restez bénis protégez-vous bye bye à la prochaine.